Shwadam. Winjar alajars. Hatakar. Guarpeti pacharsh. Harsh, si balti yigwarsh. Ma, ul, udams, winja, waija, waika. Hawaija salwan, takar, palhur, winja laja daus. Bienvenue dans Far Cry Primal. Vous voyez 5 bêtes. Ah, d'accord, on dit. Ah, d'accord. Oh, trop bien, je peux avoir un dent de sabre si j'apprivoise une bête de plus. D'accord, ok. Hop là, on balance des apparts, on verra bien. Hop. Warcraft. Hop là, et voilà, ça chope. Ça mord à l'hameçon, les gars, ça mord, ça mord. Je sais pas c'est quoi, mais ça mord. Ah, c'est un vieux truc de merde, c'est un doll, je crois. Bon, c'est mignon, mais ça sert à rien, quoi. Par contre, je suis sûr que Chexy, elle kifferait trop, quoi. Il est très mignon, mais bon. Il est très mignon, mais on n'est pas là pour être mignon, on est là pour faire des dégâts, quoi. Donc, c'est pas le plus poubelle du jeu, j'imagine. Donc, on peut améliorer le dent de sabre. Hein. Techniquement, là, on peut avoir les dents de sabre. Et je pense qu'on ira en chercher hein, tout à l'heure. Si, en tout cas, si on est en croisant, on améliore la compétence. Ouais, d'ailleurs, c'est une bonne idée, ça. Wow! What? C'est la vraie vie ça? Wow! Abuse pas trop gros! C'est bon quoi, je veux bien que tu me pètes la gueule, mais pas à ce point là quoi, pas en public quoi! Des gens qui regardent, merde! Fais gaffe! On s'approche de la zone d'amis de notre collègue Wooga! Je sais pas c'est quoi, mais il y a une bestiole. D'accord, on peut pas la fouiller, c'est vrai. Hop. Parce que c'est un putain de blaireau. Le blaireau, c'est à la fin. What the fuck? Mais d'où c'est un guerrier ça? C'est tout petit putain. En plus, ça fait pas d'XP. Du coup, ça pue la merde. C'est pas grave. Blaireau quand même. 3 viandes. Un blaireau. Peut-être on peut en avoir plein, ça se trouve. C'est genre, le mec qui a des blaireaux, il en a 5. Il en a 5, c'est genre. Un blaireau de plus, les mecs. Donc là, je crois qu'il ne manque qu'un seul blaireau. Bouja. Oh, plante de racines rares. Oh là, je l'ai pris au hasard, c'est. Je l'ai pris comme ça, je crois que c'était une plante rouge. Je fais bon, vas-y, on s'en fout, on tente. C'était une rare en fait, excellent. Ok, sorry, quand je suis coupé, je m'approche un peu trop. Enfin, quand je joue ma vie, je m'approche un peu trop de l'écran. Désolé, j'aurais été coupé pendant grave longtemps, c'était un peu con. My bad. Putain, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu un petit coup de stress, mon pote. Les amis, bienvenue. Dans l'antre de Wooja. Voici Wooja. Un futur allié. Tadam! De bord. Il pisse dessus! Il pisse dessus, il pisse dessus véritablement quoi! What the fuck? Wooja! Il est pissé dessus. Moi, dernier Winja. En face de terre, couvert de pisse, comme une âme. Pas... En tout cas, pour un papy, il a la IM. Hein, parce que moi, déjà, quand il s'agit de viser les toilettes, j'arrive pas. Donc, il a de la IM et de la vigueur. Parce que mine de rien, il y avait quand même du jet. Hein. Alors, soit il s'était retenu pendant très longtemps pour cette expérience. Ramasser quoi? Ramasser quoi? Non, ça s'en fout. Hop. Échappez-vous de la grotte. C'est Fort Boyard plutôt. Ok, alors on va devoir brûler ce truc là. Merde, ça brûle. Oh, ça brûle, ça brûle. Pour pouvoir descendre, j'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, on est dans la merde. Ok, ça marche. Excellent. Let's go. Ah, oh, j'ai plus de mopette par contre. J'ai pas mon animal. J'ai pas mon animal. J'ai pas mon animal. Putain, merde, on est pas bien du coup. Hein. Ça va être moins simple. Ah, apparemment, il y a déjà des mecs qui sont passés par ici. Ils ont eu des soucis. Oh, silex. Oh, c'est le feu, ça. On tente, hein, on met le feu partout, nous, on s'en bat les couilles. Hein. On sait pas tout ça, mais... On sait pas, on sait pas, on s'en fout, au pire. Ok, ça sert à rien. Je mets le feu à ça aussi, tu sais quoi. Hop. Le gros pyromane. Oh là là. Oh là 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 là. Est-ce que tu l'as vu derrière? On est toujours en mode expert, hein, on n'oublie pas. On est toujours en mode expert, donc on peut toujours mourir très très vite. Hein. Oh, petit tir à la tête, mon pote. Pas dégueulasse. Je vais vérifier, mais on est toujours en mode expert normalement. Gameplay. Oui, on est toujours en mode expert, donc attention. Hein. Échappez-vous de cette grotte. Bah, écoutez, je veux bien. Oh, un grappin dans le jaguar, mon pote.
Nice, le grappin, le grappin, le griffe grappin qu'on n'avait pas justement jusqu'à maintenant et qu'on voyait les trucs et on savait pas les utiliser, on savait pas quoi faire. Vous avez trouvé un outil étrange mais visiblement utile, cherchez les icônes nanana, donc avec un grappin quoi, pour grimper et vous balancer pour atteindre des hauteurs auparavant inaccessibles. Ok, approchez-vous jusqu'à ce que le message d'utilisation. Ok, donc appuyez sur E et vous pouvez passer d'un point d'accrochage à un autre sans toucher le sol. Excellent. Bon là du coup on sait comment partir. On avait vu un symbole là en haut. Voilà, le voilà. Ah ouais. Attends, pour sauter, sauter et monter, sauter et monter. Ah d'accord. Moi j'étais en mode c'est Batman, t'es genre pas du tout. On a la vraie histoire donc on monte à la main. Hein. C'est un peu moins marrant. Roc du sud. Oh. Oh attendez, roc du sud, ça je connais. Ça je connais bien. Confection d'arc. Ah non mais ça marche pas, c'est pierre du sud, fait chier. What? What the fuck? Ah ils sont trois mon pote. Ah ils sont trois et en plus on est en difficulté un peu dur là. Ah ouais 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 ouais. Non 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 non. Je suis trop jeune. Non. Putain. Oh putain de merde. Ah oui d'accord, on en est là quoi. Bon on va retester un expert. Mais c'est vrai que j'avoue en expert les mobs, en difficile les mobs sont vraiment très faisables, voire même assez faciles. Donc je pense qu'en normal ça va vraiment être extrêmement, extrêmement facile. Mais par contre en expert les mobs ils rigolent vraiment pas du tout quoi. Est-ce qu'ils montent tous aggro? Il y a combien là? 1, 2, excellent. Est-ce que je peux pas remonter comme un lâche et les shoot d'en haut comme un gros bâtard? Ah attends. Voilà, j'ai un peu tourné là mon pote. Non. Oh putain, j'ai essayé de me rester en haut comme ça en diagonale. Est-ce que je peux pas invoquer un prédateur là par contre? Tiens, le jaguar. Je t'entends, on sait jamais hein. Oh bah voilà. Et bah voilà, j'ai invoqué un jaguar et du coup le jaguar a pu venir. Ça me fait plaisir. Ça va me mettre bien ça parce que je vous avoue que sinon c'était un peu chaud là. Hein. En expert sans pète, c'était un peu compliqué. Comment puis-je faire pour descendre sans prendre un full focus? Ouais, il y en a bien 3, c'est bien ce qui me semblait. Excellent! Alors on va se balancer tranquillement et on va espérer se faire des agros. Hop. Alors vraiment, ils ont pas l'air de vraiment beaucoup des agros. Donc on va invoquer le petit jaguar. Voilà, tu viens si tu peux très vite, hein. Cordialement. Ok, et donc si tu peux venir, parce que là je suis stuck. C'est pas ouf. Bon, hors test les mecs, hein, hors test. Ok, ok, hors test. Oh là là, mais quelle vitesse d'exécution. Il le fait et il rush. Il rush directement. Il invoque le jaguar. Ok. Et là on prie, puisque du coup c'est un peu la merde. En toute honnêteté, c'est un peu la merde. Genre sévère même. Hop là. Quand tu peux te soigner mon pote, voilà, hein, ça peut être pas mal des fois. De temps en temps. Ouais, c'est bien ça celui-là. Putain, c'est le seul. Je tirais sur le seul qui est à moi quoi. Bon, la bonne nouvelle c'est que je vais enflammer des trucs pour pas qu'il m'attaque, je pense après. On va quand même essayer de les tuer. On va essayer d'enflammer des gourdins. Et voilà, on n'ose plus maintenant. On a un jaguar avec moi, on n'ose plus hein. On a peur. Ah, attends, je vais dépecer déjà par contre. Hop. Excellent, c'est pas de la viande. Beau jaguar. Ah merde, non, je l'ai pas tué là. Ok, tire à la tête, c'est pas mal. Oh non, oh non, oh non, non. Non, non. Oh, j'ai grid là, j'avoue, j'ai grid. Ok, les mecs, on est prêts. Do it. On va faire avec un arc enflammé. On va invoquer le jaguar et on va essayer de headshot le premier jaguar qui vient. Pas que je rate mon saut. Ok, super. Hop. Alors, on appuie sur B. Je pense que c'est jouable. En expert, je pense que c'est jouable quand même. Hop. Allez, tire à la tête. Tire à la tête. Oh non. Éteins le feu, bâtard. Éteins le feu. Ok, pff, on les AOS tous les deux. On va tuer le dernier. Hein. Je me fais tout shot. Hein. Littéralement. Hop. C'est bon. Victory is mine. Eh les gars, je pense qu'on va essayer de continuer le plus possible en mode expert pour faire le beau jeu. Parce que bon, s'il n'y a pas de difficulté, c'est pas très intéressant. Faut qu'on puisse perdre entre guillemets. Oh damn. Putain, ça fait pas ce bruit là mec. Fais pas ce bruit là putain. J'ai jamais vu de la drogue, non vraiment. 5 vitesses, 4 forces, ah ouais. Oh mon dieu, il est vraiment faux, il est vraiment fat quoi. Qu'est-ce que le blaireau a d'intéressant? Il est pas rapide, il fait pas de dégâts, il est pas discret. Putain, what the fuck. Quel est le plus discret de tous? C'est lui. A priori, le Doll. Ah non, c'est le Jaguar le plus discret. Le Jaguar noir, ok. C'est pas le plus fort. L'Ours des Cavernes, absolument pas discret. Mais il est fort. Bon, je pense que le Dansap, ça paraît pas mal. Et voilà la sortie, les amis. Let's go. Montons. Montons. Parfait. On y va.
Ok, on enchaîne les petits grappins et on se casse. Sympa cette petite mission. Vraiment sympa. Un peu différent et tout. Oh là là, mais quel génie, putain, le mec il lâche le grappin et il en met un autre quoi. Vraiment il est fort, parce que s'il rate, bah il est bien mort. Donc moi en vrai, je préfère pas ça. Piégé. Bienvenue dans la tribu des Winja. Examiner la peinture rupestre pour trouver une ressource rare dans les environs. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah non, c'est une ardoise, je crois que c'est un mob. Ah, ça par contre c'est un mob hein. Salut, petit crocodile au calme. 51 d'XP. Oh, pas dégueu. Pas dégueu, dégueu. 51 d'XP pour un petit... un petit crocodile. Oh bah c'était pas mort gros. Ah non c'est bon, il est mort, il est mort. Ok. J'allais dire vraiment là, il fait vraiment le mort. Ou alors il fout vraiment de ma gueule quoi. Elle est là la peinture, une ressource rare, fais-moi rêver, c'est quoi? Voilà, on la voit bien la putain de peinture là. D'accord, tout le monde s'en fout en fait, apparemment t'arrêtes de... Tout le monde s'en pas complètement les couilles de cette peinture. Oh le mec y a pas de respect. Hop. C'est pas à moi. Moi très bien. Bon du coup alors on va enflammer et on va essayer de mettre le feu à la peinture. C'est très très con mais du coup là je vois pas d'autre solution. Peu importe, c'est pas très important. Here we go boys. Dirigeons-nous du coup vers notre ami Wuga. Alors copain Wuga, tu m'as pissé tout à l'heure mais là ça va pas être la même hein. Oh, non. Oh putain, je crois que j'allais mourir. Ouf. Clairement ouf. Alors mon ami Wuga, nouvelle scène. Enjoy. Stupide mangeur de bras. Toi pas Ouda. Oh putain. Palu Guaifash, Namaita Tiwai. Namaita Winja Saquin. Pasta Kala Saiwan Shashwai. Ça a l'air très très court cette tête. Palwinja touches la Daisu. Mahasar Orosis. Mipi Chauda. Shashwaidam, Unatarai, Uwinchaha Gwaifa, Buddha Smaigan. Tu t'es pissé. Sashwarzo Daishan, Hasar Urusi Sancha. Hai mi. C'est à moi. Ok, parfait, bienvenue dans notre armée. Et nous sommes donc à présent à la recherche du sang de Oros. Du sang d'Oros. Oh, feu de camp, nouveau feu de camp. Réapparition. Réapparition. Petit caillou, hop. Il s'en contre-foot. Ça va être compliqué à les exécuter tous les deux. Waouh. Oh, pourquoi tu m'as mis un coup? T'as enlevé 3 quarts de points de vie quoi. Sans pression. Ok, bon. La zone est clean. Examiner les vieilles pierres. On va voir. Enquêtons. Sandoros. Parfait. Ok, par ici. Ah oui. Oui, d'accord, on en est là quoi. Ok. On se dirige du coup évidemment vers le sang d'Oros. Oula. Le sang d'Oros, ça a l'air. Oh, cool ça. C'est un piranha en fait, c'est vraiment ça. Oh, il tombe de ouf. Oh, oh il est méga rapide en plus. Attends, attends, j'ai un peu peur là. Un poisson croc. T'es que va. Oh putain, ça a l'air. Récupérer le sang d'Oros. D'accord, donc on va aller les récupérer clairement. Changeant de bête. Hop, prenons le jaguar qui est plus discret. Ok, on le fait en stick, les gars. Les Sandoros, faut aller les sauver. Ils sont en train de miner les pierres et on va devoir les sauver. Ok, moins un. On va être nul parce qu'on a fait que 15 XP en exec. Hein, c'est... Oh fuck. Je vais. J'ai l'impression d'être grillé. Hein. Apparemment, je suis grillé.
Ou alors ils sont très excités pour pas grand chose. Eh merde, j'ai raté. Eh merde. Eh merde, j'ai raté. Oh putain, j'ai chuté comme une merde. Oula. Ok, mise à mort, ça c'est cool. Oh putain. Oh, il y a une patate, mon pote. Ah, on en est là, quoi. On en est là, quoi. Il m'a tout shot aussi, lui. Waouh, c'était chaud, hein. J'ai les strafes pour éviter son sort. Enfin, son skill shot. Ok, bien joué. Mon pote fait vraiment le taf. Ok, tire à la tête. Est-ce qu'il en reste? Je suis pas sûr. Un 5 à ça aussi. Stimulant de vitesse. Ah oui, c'est vrai qu'on a plein de trucs en fait, je savais même pas. Enfin, j'étais même pas vraiment au courant. Alors, soit primitif, ok. Alors, soit basique. Et c'est avec une feuille verte dans ses powers, quoique. Impossible de manger. Ah, si je mets ça. Ok, ah, avec contrôle on link du coup un sort, impossible de manger, vous êtes en pleine santé, d'accord. Donc avec contrôle on link le truc qu'on veut utiliser, c'est cool. Alors, inifugé, donc deux barres de santé, et les animaux, oula merde, ils ont plus de mal à vous, ah, les gars, je pense. Le feu, alors on va voir. Autre chose du coup. Réduit gaz de feu de 30%, à vous... ah, les animaux ont plus de mal à vous détecter, d'accord. Quand vous faites le kiff, ok. Sprinter, nager plus vite et rester plus longtemps sous l'eau. Oh, c'est bien ça. Combien de temps? On sait pas trop. Faut débloquer cette compétence avec la. Ok. Ok, parfait. Bon, du coup, on a dû découvrir quasiment toutes les opportunités pour l'instant. Winja Sandoros. Ok, récupérons le Sandoros pour pouvoir faire les armes pour notre armée. On a découvert le lieu. Il nous reste les deux trucs à récupérer là-bas, je crois. Parfait. Il y a un sac en bas, on l'a vu. Donc j'ai pris feu, mais c'est pas très grave. Là par contre, il y a ça, mais est-ce qu'il y a pas un mob dans l'eau là? Non, c'est bon. Parfait, le nouveau spécialiste, il a rejoint le village, ça y est. On a récupéré le Sandoros, du coup il nous a rejoint. Et bien, génial. Sandoros terminé. Parce que du coup on a piqué le principal, on a fini le principal, du coup on a sauvé les trois personnes. Et ce sera du coup la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de commencer vraiment comme il faut pour que ce soit intéressant. Et donc là, il me faut quoi? Il faut 40 habitants, peau de mammouth, ardoise et roseau. Donc techniquement, c'est un truc que je peux améliorer. Les mammouths, je pense que je peux les tuer maintenant. Donc on fera ça la prochaine fois, dans le prochain épisode. On améliorera les Utres en deux. Il est content. Galouche. Vous devez avoir des couteaux dans votre... Ok, donc là, c'est intéressant. Appuyez sur F. Enfin, on peut exécuter du coup des chefs ennemis. Donc pratique puisqu'on est expert, je pense que du coup on va se faire ouest sinon, donc on va devoir clairement l'améliorer. Et on peut exécuter plusieurs personnes en même temps, commencer une exécution F et ZQSD au bon moment pour passer d'un ennemi à un autre. Donc on fera ça aussi. Donc ça, on va faire ça déjà. Donc les plans dans la vision chasseur, pourquoi pas. Et ça par contre, l'encochage en course. Donc on va pouvoir encocher des flèches tout en courant, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, il y aura stabilité améliorée, donc on sera plus précis. Combiné avec les bronzards qui sera pas mal. Sauter ou tomber sur un adversaire en contrebas pour l'éliminer rapidement et brutalement. C'est bien, mais pour l'instant ce sera pas utile parce que du coup je pense que ça brisera le, à mon avis, le steals, donc le fufu. Donc là il nous faudra du coup économiser pour faire toute la bande, donc jusque là. Donc ça on le prendra pas, du coup on a pris ça pour compenser, ça coûte 1 et ça coûte 2. On récupérera plus de bois, donc au final on pourra faire plus de flèches. Donc en soi c'est plus ou moins la même chose. Ok, on va vite améliorer. Améliorons la base du collègue. On lui parle. Notre ami Wuga Wanja. 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 Attends, c'est la gauche, c'est la droite, c'est la droite. Wanja. Pas au niveau du cœur, c'est dommage. Et donc là du coup on voit qu'il y a des nouvelles missions grâce à la hutte récupérée. Voyons voir ce que ça va donner. Donc je pense que ça va être la suite de la quête principale parce que du coup on a sauvé tout le monde. Donc techniquement il va y avoir à nouveau du grabuge. Ok les gens, j'espère que ça vous a plu. En tout cas c'était vraiment, moi j'ai bien aimé. On a bien avancé du coup sur la quête principale. On a sauvé nos trois compagnons Wanja. Et on va tout simplement après faire les quêtes et bien des différents compagnons. Et on améliorera les huttes rang 2 pour avoir vraiment des améliorations puissantes et avoir du coup un peu plus d'XP.
pour pouvoir continuer l'aventure en mode expert. Donc il va falloir qu'on soit fort. Si on n'a pas de bons arcs, etc., on va avoir des problèmes. Hein. Les mobs nous font très mal. Donc faut qu'on les tue avant qu'ils nous touchent, quoi, en gros. Et on récupère aussi un dent de sabre. Donc on améliorera l'amélioration pour avoir le dent de sabre. J'ai vraiment envie d'en avoir un. Et voilà, donc on avancera là-dessus. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était Skyheart sur le let's play en condensé. J'espère que en tout cas, vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré. Donc plein de bisous tout le monde. Et à très bientôt. Rassurez-vous, il y aura des épisodes très régulièrement. Le let's play sera fini rapidement. On va dire maximum 8 épisodes, je pense. Plein de bisous tout le monde. Ciao, ciao. Deux-zéro, les. Oh, la chatte. C'est le côté, hein, tu fais gaffe.